Bon jeudi, aujourd'hui on ferait connaître les premiers 30 degrés par endroit. C'est variable pour Montréal, Québec. On voit quelques averses du côté de l'Abitibi, du Témiscamingue. Ça, c'est en fin d'après-midi. Et il y a un risque d'orage violent par endroit. Donc, il pourrait y avoir là, ce soir des rafales jusqu'à 70 km à l'heure du côté de l'Abitibi. Dans l'est de la province, bon couvert nuageux pour la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. En matinée, quelques averses. Mais cet après-midi, vous aurez quelques clins d'œil du soleil là, du côté du Bas-Saint-Laurent. Pour les prochains jours, alors, vendredi, c'est couvert pour Montréal. C'est un ciel variable. Partout ailleurs, ça se passe sous les nuages avec des averses, risque d'orage. Samedi, même scénario, donc tous les secteurs qui sont au nord. Du côté de Val-d'Or, on va vers Saguenay, Québec, Sept-Îles, Rimouski, Gaspé. C'est couvert, toujours quelques éclaircies avec un risque d'orage. Là, il y a seulement du côté de Montréal, en fait, l'Estrie, les Laurentides, la Naudière. Là, c'est un 30 % de probabilité d'averse pour la journée de samedi. Dimanche, vraiment, vous allez voir, là, pour les prochains jours, ça se répète. Dimanche, couvert à la grandeur du Québec, toujours quelques éclaircies avec un risque d'orage. Et pour la journée de lundi, ça s'améliore. Là. Donc, pour les secteurs qui sont au sud de la vallée du Saint-Laurent, il y aura un peu de soleil. Tout ce qui est au nord, c'est couvert encore avec des averses et un risque d'orage. Beaucoup d'humidité là, pour les prochains jours. Donc, samedi, 30 degrés au mercure, sensation allant jusqu'à 35. Il y a ce risque d'orage, des vents de 20 à 40 km à l'heure. C'est des averses, là. C'est jamais de la pluie soutenue pour la journée dimanche. Même scénario, ça commence à se refroidir. Et lundi, les secteurs qui sont au sud de la vallée vont avoir du soleil.